Alors, ben là pour aujourd'hui, ce sera un peu de fumier. Donc il fait beau, la fumière est pleine. Donc on va sortir un petit peu de fumier, mettre au champ prêt à être épandu. Alors concernant le fumier, donc en fait, il faut savoir que sur la ferme, le fumier, c'est la seule fertilisation. Le fumier, encore plus en bio, enfin déjà en conventionnel, mais encore plus en bio, c'est l'or noir, on appelle ça. C'est un des fertilisants super qui à la fois enrichissent le sol, nourrissent la vie du sol et ben, permettent aux plantes de pousser. Et puis donc régulièrement, on dit nous chez nous formoger, c'est-à-dire qu'on va racler le fumier. Donc il faut savoir que dans notre bâtiment, il y a des aires d'exercice, donc là où les vaches vont manger et vont marcher. Donc ça, on va racler tous les jours. Et en hiver, on va racler deux fois par jour. Bon, là en ce moment, étant donné que les vaches sont au pré toute la journée, on racle qu'une seule fois par jour pour qu'elles gardent les pattes au propre. Et puis en hiver, comme elles vont rester en bâtiment, on va racler beaucoup plus souvent. On a les aires d'exercice, comme je viens d'en parler, et puis les aires de couchage. Donc là, c'est là où on met de la paille. Et puis ça, on va également curer. Alors ça dépend. Là, par exemple, ce que je suis en train de curer, qui est très sec, c'est du fumier donc il y a bien plus de 2 mois. En fait, les vaches, on les a sorties cette année au 14 février. Et donc, en gros, allez, on a arrêté de mettre de la paille vraiment peut-être au 15 mars. Ouais, entre le 15 mars et fin mars. Et donc, avril, mai, juin, ça a plus de 3 mois. Donc on peut le sortir, mais autrement, on le sort à peu près tout entre 3-4 jours et 7 jours, quoi. L'hiver. Nous sommes fin juillet, c'est le moment idéal, la période idéale pour faire le vide dans tous les bâtiments, étant donné que tous les animaux sont au pré, les vaches sont au pré, toutes les génisses, donc les futures vaches sont également dans les prairies naturelles du Marais Poitevin. Et puis donc il reste aujourd'hui en bâtiment que les tout jeunes animaux qui ont besoin de rester à l'abri sous surveillance. Et puis donc les animaux malades, enfin c'est là aujourd'hui c'est encore 3 vaches boiteuses, voilà, qui sont encore dans le bâtiment. Donc on fait, étant donné que les moissons sont finies, que les récoltes de foin sont finies pour le moment, même si on espère encore une quatrième coupe de foin de luzerne, comme là le gros du boulot de l'année est fini, les pics de travaux les plus compliqués, les plus lourds sont terminés, on en profite pour faire un grand vide sanitaire. Donc c'est important pour le vide sanitaire, en fait c'est comme si on soignait les animaux mais de manière préventive. Donc
on va retirer tout le fumier, puis on va laisser sécher le béton qui est encore un petit peu humide par le fumier. Comme ça, il va sécher, puis on va ainsi casser le cycle des bactéries et de tout ce qui peut rendre malade les animaux. Et comme ça, quand il y aura besoin, donc ce sera maintenant en automne, on remettra de la paille pour que les animaux soient au propre, pour leur garantir leur confort qu'ils méritent, et également une hygiène irréprochable. Donc là, gros vide sanitaire, il y a quelques bennes à faire. Donc tout à l'heure, je disais à peu près un nombre de bennes qu'il fallait en bas dans la parcelle. Donc il faut à peu près une quinzaine de bennes. Donc là, le chantier va durer à peu près une journée à une journée et demie. Parce que je suis en train de retirer le fumier du bâtiment des vaches laitières. Il me restera à retirer le fumier de la partie des jeunes animaux qui est juste derrière moi. On va le voir là derrière. Donc là, tout derrière, c'est pareil depuis le printemps. Il n'y a plus d'animaux, donc là c'est pareil, le fumier va être bon à sortir. Il y a deux autres petites cases là-bas, et puis tout ce matin j'ai fait donc des cases pour les tout jeunes animaux, parce que c'est pareil, il fait chaud, les animaux transpirent, donc faut faire attention, surtout que les jeunes animaux c'est assez fragile, comme tout ce qui est jeune, hein, c'est fragile, donc on fait attention. On évite les risques pulmonaires, notamment les risques respiratoires, en gardant des bâtiments sains. Voilà. Donc là, tout ce fumier va servir à enrichir la terre, continuer à garder la fertilité de la terre, nourrir toute la vie du sol et ainsi produire des aliments bio de haute qualité.